Aujourd'hui, on stream du Kingdom Newlands comme tous les mardis depuis un petit moment déjà. Je fais juste les petites annonces et après on démarre. Undrix, t'as fait comment du coup pour accéder à Witches? J'ai pas l'option. Avancer. Mais ouais, tu vois, j'ai pas le bouton. Bon bah tant pis. Pas de Witches. Pas d'annonce sur Witches, voilà. C'est pas grave. Ah, c'est une bonne idée ça. Je vais faire ça, je vais te donner le lien. C'est pas grave. Undrix. Tiens. Si, je viens de le poster sur Pods in Space et après je le booste sur les autres réseaux. Hop. Peut-être que l'instance m'a silencé, hein, ça serait pas étonnant. Ah oui, c'est vrai, on a une robe ocre maintenant. Normalement, t'es censé les voir, ouais. Ah oui. Voilà. On est sur quelle île? On est sur l'île 3 parce qu'on va découvrir le troisième truc de l'île 3. Et notre monture, c'est une licorne qu'on avait vu, qu'on a chopé la semaine dernière. Licorne. Déjà, elle sème des paillettes. Et quand elle mange de l'herbe, elle fait caca des pièces d'or. Eh oui! C'est pratique, n'est-ce pas? Des pièces d'or. Et on court avec après les pièces d'or, bien sûr, vu que là, pour l'instant, on est un peu court. On a restart une partie parce que j'étais morte de manière un petit peu nulle la dernière fois. Et du coup, on démarre avec beaucoup moins d'or et du coup, c'est beaucoup moins facile. Et on va explorer l'île aussi, on n'avait pas exploré. Un petit chien-chien avec nous. On a la statue des agriculteurs. Un portail. Un petit nuage rose derrière. On a la statue des archers derrière le portail. C'est pas pratique sur 20. Déjà, on verra au retour. Un coffre, parfait. Un deuxième portail. Un campement.
Ok, d'accord, ça va pas être pratique. Plus la licorne, elle devient facilement asthmatique. Est-ce que c'est le côté ponton? Ça a l'air d'être le côté ponton. C'est le côté ponton. Bon, ça nous arrange. Ça nous arrange même particulièrement. C'est une pièce là. Pif paf pouf. On va juste essayer de se sauver très très vite. Parfait, j'ai besoin d'argent. Un deuxième builder. Parce qu'on va rapidement en avoir besoin. Je crois que je n'ai pas encore l'âge de pierre. J'ai pas débloqué l'âge de pierre et du coup ça va être pénible. Ah, merci. C'était là où on avait trouvé la licorne. Là, il y a un ermite, mais on sait pas lequel c'est. Ok. Maintenant, on a l'âge de pierre. Donc, on va construire des murs en pierre. Faut aussi qu'on achète la petite carte. Parce que, comme ça, si on meurt comme des andouilles, c'est pas grave. Ok, il y a un deuxième ermite. Je le prendrai au retour. Je prendrai le plus loin des deux. Ah, il y a trois campements sur l'île. Oh, un coffre. Ça nous arrange. Ok. Donc on a débloqué un truc, et du coup même si on meurt, c'est pas très grave. Et je vais attraper le ermite. Je crois qu'on a perdu notre chien. Je crois que c'était une mauvaise idée de le prendre quand on explore. Ok, d'accord. C'est le ermite qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais utilisé ensemble. Ça sert. Mais peut-être pas sur cette île là et peut-être pas aujourd'hui parce que c'est pas très très utile. Moi, ça m'arrangerait d'attraper celui-là, je reviendrai. C'est pas urgent. Il est beau, hein, c'est l'arbre dans lequel il y a la licorne. Son point de spawn. Parfait, on va voir le banquier, ça tombe bien, on a plein d'argent.
La licorne, cet animal ultra pratique. Pardon. Oui. Bon, on va essayer de détruire sur le côté dans le plus vite que possible, comme ça on va se barrer. Merci banquier, mais je voulais pas de fric. Voilà, parfait. Petit camarade qui font des... Ville des murs. Heureusement qu'ils sont deux. Eh, vous oubliez plein d'argent là, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens. Petit bonhomme qui se promène. Oh merci, fort aimable. Il y a deux murs juste l'un derrière l'autre, c'est parfait. Tenez les gars, on va construire le deuxième mur. Je pense que vous avez le temps. À deux, ça devrait le faire. Voilà, on aura une palissade. Normalement, ça devrait tenir. Mais il n'y a pas de chasseur de ce côté. Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? Ça, c'est ceux qui étaient tout au bout, à gauche. Qui sont... Voilà, à qui j'ai donné une pièce d'or. Mais il y en a 50. Barrons-nous. Oui, bon, c'est peut-être pas le moment. Hein. Voilà, là. Les petits monstres, ils ont ramassé tout l'or sur nos petits potes. Hop. Il traîne plus de petits potes. Ça a l'air d'être bon. Oh, du coup, vous avez construit le mur niveau 25. Et celui-là aussi.
C'est pratique la licorne quand même. Hein. On ne dit pas assez, mais la licorne c'est pratique. C'est l'impôt. Il y a toujours un chasseur qui va super loin, qui récupère tout le pognon, tous les lapins qui traînent. Merci. Plouime. Ah oui, bah du coup, les archers demain, ils seront plus des snipers. Vu qu'il n'y a plus le tel que je l'ai pas réactivé. Alors. Banquier. Tiens. De l'argent. Oh, l'archer qui va passer. Oh, vous m'ennuyez, les gars. Vous commencez à m'agacer avec le porc. Ah bah, c'est parfait, on a pile poil ce qu'il faut. Ils ont à peine le temps d'apparaître qu'ils se font déjà arracher la tête. Je crois que ça c'est le bruit d'une lune rouge. Il n'y a pas de petits potes. Pas de petits potes, pas de petits potes. On va faire deux autres builders, comme ça on pourra se faire une catapulte sans pour autant être limite. Merci. Merci les gars. C'est parfait. Non, là, ça y est, c'est plus des snipers, ils tirent n'importe comment. C'est parfait, on va aller voir s'il y a nos potes qui ont pop. Vu qu'on a besoin de builder pour une catapulte. Il y en a un. Parfait, tiens. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher l'autre ermite. L'autre ermite, qui est plus utile que celui qu'on a déjà. Et qui est pas loin. En plus. Voilà, il est juste à côté. Voilà. Allez, le petit boulanger, il va venir avec nous. Comme ça, on va attirer les petits potes. Ce sera plus simple pour recruter. Vu qu'il y a quand même deux campements qui sont derrière des portails.
pourquoi se priver de péons juste parce qu'on a du mal à aller les chercher. Et bien ça tombe bien parce qu'on avait besoin de builder. Ah oui, mais non, mais c'est pas sur cette toile là qu'il faudrait que je fasse ça. Ah, c'est terrible. C'est pas grave. Non, une tourelle avec trois archers, tant pis. Bon, magnifique tourelle inutile pour l'instant. Hein. Donner de l'argent au banquier. Donc je fais la tourelle avec la boulangerie et plutôt du côté droit. Vu que du côté droit il y a le ponton et du coup on va détruire les portails rapidement. Et du coup on a moins besoin des tourelles pour défendre de ce côté là. Tout simplement. Et du coup pour faire une boulangerie il faut avoir une tourelle niveau 3. Et après on utilise... voilà, l'ingénieur, quand on l'a sur notre cheval, sur notre monture, il nous accorde un supplément de construction. Plein d'argent, moi ça me va. Le boulanger, là, qu'est-ce que tu fais? Non, on sort pas du royaume quand c'est la nuit. Il n'y a que les gens qui ont plein d'argent sur eux qui peuvent faire ça. Ok, on va construire un deuxième mur pour protéger notre ami le boulanger quand même. Écoute, c'est sympa le banquier, mais j'en ai pas particulièrement besoin. Ça on garde, parce qu'on a quand même besoin de monnaie. On va se faire une catapulte ici.
améliorer ce mur-là aussi. Comme ça, ça sera fait. Oui, plein d'argent. Parce que nous, on aime beaucoup l'argent. Petit pote. Forcément, il va prendre un arc. Voilà, donc là on va avoir nos deux chevaliers. Ils vont arriver. Poum, c'est y part. Passion de seconde, voilà, que je vous donne des points de vie. Bah, à l'assaut, les gars. Est-ce qu'ils ont de l'argent pour moi de l'autre côté? Tout petit peu. Petit pote. Et on court. On se raccroche à la vie. Ce qu'on va faire, hein, on va pas les aider, ils se débrouillent très bien sans nous. On va même direct commencer la construction du bateau parce qu'on a des gens plutôt sereins. Banquier. On a besoin d'argent. Nous chercher le banquier. Ah, ça y est. Nos potes ont réussi à casser le portail. Et ça, c'est bien. J'ai envie de dire que ça nous arrange pas mal. Des archers pas trop efficaces. Mais...
Ah, il y en a encore. C'est bon, c'est fini. Vous allez vous calmer maintenant. On va améliorer la tourelle. Comme ça, on aura plusieurs archers qui tireront directement sur les petits mobs, ça ira très bien. Oh bah, il y a plein de petits potes qui m'ont mangé des bouts de pain. Hop. Banquier, j'ai besoin d'argent. Donnez-moi du pognon, s'il vous plaît. Merci. Et on va aller mettre de l'argent, du coup, dans l'hôtel des archers, maintenant qu'il est enfin accessible. Bateau juste après. Parce que là, nos archers, c'est des gros nulos. Est-ce qu'il y a un deuxième portail? Parce que ça se trouve, je me suis planté, il y a deux portails. On aurait l'air pas malin, mais bon. Il y a un deuxième portail, bah oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est bien du coup nos builders, vu que je leur ai donné l'ordre d'aller couper des bouts de bois, bah ils vont se faire manger la tête. Peut-être ça empêchera les petits monstres de passer, on sait pas. Alors, il y en a combien? Est-ce qu'il y en a trop? C'est parfait. C'est parfait, on a sauvé nos builders. Attendez, pendant que vous êtes là, on va en couper d'autres des arbres, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. On va avoir un grand terrain de chasse. Pour les archers, et puis nous en plus on aura de la pelouse du coup pour manger de l'herbe et générer des pièces d'or. Voilà, c'est impec. Et du coup on va renvoyer nos potes les...
Ah bah on a plein de petits potes. Voilà. On a plein de gens. Ça va être facile. On va pouvoir leur donner un métier et tout. Il suffit d'avoir suffisamment d'argent. Pour ça. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? On va essayer de finir le bateau. En plus, il manque pas grand-chose. Voilà. Le bateau, il est bon. Après, on va construire. Commencer à faire des fermes parce que c'est quand même plus facile de gagner du pognon avec les fermes qu'avec les archers, enfin c'est plus sûr. Merci. Non. Bon ben, fort ennuyeux. Ah super, on a réussi. Nous sommes parvenus à casser le deuxième portail. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir lancer le bateau et se sauver très très vite. C'est cool, on avait une lune rouge de base, mais en plus comme nos potes ont cassé le portail, c'est double lune rouge. Ça va être infernal. Ça va être infernal. Ah oui, donc là du coup le problème, voilà, c'est que comme j'ai une toile à l'avant et qu'elle tue pas suffisamment vite les mobs qui nous emportent des petits potes. Il y en a encore un là. Que se passe-t-il? Et il s'est barré avec un arc. Oh les petits monstres. Les petits monstres. Et bon sang. On va aussi envoyer le bateau direct, comme ça ce sera fait. Peut-être falloir faire un peu plus de builder aussi. On va être à court. Mais non. Voilà, pour remplacer les trois qui vont transporter le bateau. Voilà, du coup, il n'y a plus personne pour manœuvrer la catapulte.
il faut qu'on recrute vu que maintenant il y a les monstres qui mangent nos potes. Ah là là. Vivement qu'on se sauve. Eh ben c'est pas mal ça. Eh ben. On a plein d'argent du coup. On va construire ce portail. Il peut s'avérer pratique. Donner des sous au banquier maintenant qu'on en a plein. Parfait. Parfait, parfait. Tiens mon petit pote. Tiens mon petit pote. Laisse une pièce dans le campement, comme ça s'il y a un petit pote qui pop. Petit pote qui pop, petit pote qui pop. Petit pote qui pop, c'est pas facile à dire. Il va pouvoir, comme un grand, attraper sa pièce tout de suite. Et rejoindre notre campement. Continuer à déforester, ça nous arrange. On va me faire un deuxième portail ici. Parce que quand on fait les tunnels avec les portails et tout, ça peut nous permettre de nous échapper des monstres quand ils parviennent à casser notre royaume. Il y a moyen de les gruger. C'est moi la moustache. Coucou Varenne. Comment ça va? Comment ça va?
Je ne suis pas une moustache, mais j'ai une moustache. T'as vu, pour une fois, j'ai pensé à changer le nom du jeu. Non, mais c'est bon, hein, t'inquiète. Je vois bien que c'est le feu chez toi. Eh ben, c'est l'embrouille. C'est les grosses embrouilles même. Ah ouais, en fait, c'est l'horreur parce qu'il y a des gens qui sont partis en vacances à votre boulot. Ben, c'est cool. Ah d'accord. Enfin 80% ça veut pas dire qu'elle est à 50%. Normalement vous devriez être plus que 2,5. Allez d'accord, mange un peu d'herbe, ça m'arrangerait. Trop tard, il a mangé un bout de pain, c'est pas grave. Pas d'argent. Bah oui, mais si elle démarre à 7h30, partir tôt, tu vois. Normalement, si tu veux, quand j'étais à 35 heures. Hey, t'as vu? J'ai une licorne et quand elle mange des herbes, elle fait caca des pièces. Oh, peut-être qu'un jour t'auras le temps, hein, je sais pas. Hein. C'est possible. On sait jamais. Mais déjà, tu fais de la musique, c'est cool, non? Enfin, je trouve que c'est déjà super cool que t'aies pu trouver un groupe de musique et tout. Tu ne penses point? Ok, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rondeurs.
Voilà, on a plein d'or, enfin. Il n'y en a pas plus que deux. Je crois qu'il y en a plus que deux, non? Parce que j'en ai plein, en fait, des chapitres. Je crois que j'ai commencé le chapitre 3, là, je crois. J'avais dû le choper en bundle, il y avait tout dedans. C'est pas qu'on les améliore, mais ouais, c'est leur PV, quoi. Enfin, je sais pas, hein. Faudra que je revérifie, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas la même notion de chapitre, toi et moi. Faudra que je regarde. Parce que je crois que j'ai déjà attaqué le chapitre 3. Puisque le chapitre 1, c'est quand on est dans le manoir de notre pote. Le chapitre 2, c'est quand on va dans l'ancienne école. Et le chapitre 3, je l'ai commencé, je crois, c'est... On se retrouve à Londres dans un quartier mal famé. Ça te dit quelque chose? Sans savoir pourquoi on est là d'ailleurs. Ah, saison. Alors je sais pas si j'ai les deux saisons. Ah, flûte. Le banquier qui se barre au mauvais moment. Coucou Shiro. Comment ça va? Eh, t'as vu une licorne? Elle est trop bien. Et regarde, la licorne, quand elle mange de l'herbe, il fait caca des pièces. Dis-toi. Bon, t'as déjà tout pris, t'as déjà tous tes PV. J'aime bien mettre des chevaliers parce qu'ils sont bien disciplinés et en gros quand le mur commence à se casser, ils dirigent les autres, ils dirigent les archers pour que ceux-ci se remettent derrière le mur d'après. Non, pas des pièces arc-en-ciel malheureusement, ça serait rigolo mais non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous se barrer parce que c'est bon, on a exploré l'île, voilà. Mais c'était une île sur laquelle j'aurais pu essayer de faire les succès de rester super longtemps. Parce qu'un succès, il faut quand même rester 100 jours sur une île. Et c'est chaud, sachant que là, on en est au jour 15 seulement. Voilà, donc on s'en met plein les poches au maximum. Et on se barre. Eh, j'ai un petit vieux. C'est le boulanger. Je l'emmène avec moi sur le bateau. C'est celui qui me permet de construire la boulangerie. Et comme il est vachement pratique, je le prends tout le temps avec moi avant de partir. Coucou Elendel. Comment ça va?
faire ça. Voilà, comme ça, on a vraiment toujours au top. Tant mieux. Et ben moi, je suis un peu fatiguée, voilà. C'est pour ça que je suis pas maquillée, mal habillée, mal coiffée. Parce que c'était la fatigue ce matin. J'ai fermé les yeux 5 minutes et je me suis réveillée 5 minutes plus tard, il était 1 heure plus tard. T'as vu, j'ai une licorne. Elle est trop bien. Alors là, ce qu'on vient de débloquer, c'est encore un ermite. C'est un ermite qui est trop cool. On va aller sur l'île 4. Et tu lags. Et tu peux changer la résolution, tu vois. Sur le stream du midi, c'est possible de changer la résolution vu qu'il n'y a personne qui stream le midi dans les francophones. Alors, on va faire ça. Ok, on a un campement juste à côté et ça c'est bien pour recruter. Ah oui, j'ai vu ça, Varenne. J'ai vu ça sur ma thermost, qu'il y a des gens qui vous appellent au milieu de la nuit. Je sais pas si se mettre sur liste rouge, c'est une bonne chose. Moi j'aime bien que les gens soient sur annuaire parce que quand moi j'ai besoin de les joindre, du coup, je peux. Bon, pour l'instant, on va pas chercher les ermites. On va attendre un peu. C'est bon, j'en jette. C'est parce que j'ai les cheveux bleus, je suis fabuleuse de base. Il n'y a pas d'heure pour les plateaux téléphoniques qui te proposent donc un portail. Qui te propose de te vendre un canapé. Mais tu vois, par exemple, j'ai jamais été appelée. J'ai jamais été appelée au milieu de la nuit sur le fixe. Ok, donc là, il y a un deuxième campement, mais loin. Et après, un portail. Oh, l'île est longue. Pipapou. Un deuxième portail. Ok, d'accord. Ça, c'est une statue qu'on n'a pas encore vue une seule fois. Enfin, je l'ai débloquée, mais on l'avait, elle n'avait pas encore pop sur les îles. Ok. Donc du coup, de ce côté-là, on a le ponton. Et deux portails, si je ne m'abuse. Et deux, un. Je vais payer ça parce que ça vaut le coup. Et que j'ai suffisamment d'or pour le faire. Un deuxième portail. Oh là là, il y a trop de portails. Ah oui, pardon. Tiens, voilà, il n'y a plus de souris. Plus de curseur. Là, c'est les petits potes qu'on avait payés tout à l'heure qui ont rencontré des monstres durant la nuit. Bon, il y a au moins trois portails sur la droite. Hein. Ça va être relou. Ça va être très relou. Trois portails, deux ermites, puis la statue des builders. À déboiser. Est-ce que ça me laissera la place pour construire un mur plus près des portails à casser?
Et en plus, quand c'est déboisé, les gens qui poussent le bateau vont plus vite. Ah, j'ai plus d'argent, c'est clair que du coup on peut pas faire grand chose. Hop. Tiens. Non, on peut pas. On ne peut pas sauter avec les montures. Par contre, il y en a une qui a un pouvoir spécial, mais on l'a pas encore débloqué. Qui peut ressembler à un saut en fait. Parfait, ça c'est déboisé. Ça aussi. On va m'abattre cet arbre là. La lucarne est extrêmement broken, mais c'est le dernier truc qu'on débloque sur la dernière île, donc c'est... elle est difficile à obtenir, en fait. Donc normal qu'elle soit broken. Pas de dragon bateau. Bah écoute, je t'invite à faire un jeu sur le même principe, ou un mode, hein. Tu peux même... Je pense que ce jeu est modable, donc tu peux toujours essayer de faire un mode pour Kingdom Newlands, en disant je rajoute une monture, un dragon rouge qui vole et qui crache des flammes, et je peux faire en sorte que les montures sautent. Petite musique sympa. Ok, notre pote le boulanger qui sort des limites du royaume, comme d'hab. Hein. Non, mais il n'y en a pas du tout. Mais du coup, si tu fais un mode, ça peut marcher. Est-ce qu'on a des monstres qui sont sortis cette nuit? A priori, non. Et ça, ça nous arrange. C'est bien. Si, il y a des monstres qui sont sortis, mais ils ont tapé nos potes builders. Et ils ont pris leur marteau. Bah ce jeu, a priori, est quand même bien... Il est pas récent, quoi. Donc, si personne l'a fait... Après, je me suis pas penchée sur les modes. J'essaye déjà de le finir en vanilla. Ah, il faudrait que je fasse un mur de l'autre côté de ce campement. Alors. Ici, c'est pas possible, mais là, oui. Parfait. Parce que comme ça, les archers, ils vont passer de ce côté-là, ils vont tuer tous les lapins. Et du coup, de l'argent comme s'il en pleuvait. Thank you.
Ah, et j'ai toujours pas l'âge de pierre, donc du coup, ça par contre, c'est un peu pénible. Et on va aller fouiller de l'autre côté de l'île pour voir ce qu'il y a. Et pour pouvoir acheter, bah, notamment ça, du coup, puisque ça nous arrange. Mais également la petite carte de l'île, comme ça, si on meurt comme des andouilles, ben c'est pas grave. Voir aussi s'il y a des hôtels. Donc, le chien, on a dit que c'est mieux de le prendre au retour de l'exploration. Ok, un portail. Portail tout de suite, ça s'annonce bien. Une autre licorne. Coucou, une licorne. Voilà. Maintenant on peut mourir, c'est pas grave. Un deuxième portail. Ok, la statue des archers, elle est derrière deux portails, ça va être pénible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le troisième ermite. Ok, on a trois ermites sur l'île. Si, j'en sais rien. Je sais pas exactement pourquoi est-ce que y a cette espèce de petit hôtel, enfin cet altar pour pouvoir construire les bâtiments en pierre. Mister Vine, transforme-toi en licorne, tu verras, c'est plus efficace. Ok, il y a des petits monstres, ça tombe bien, j'ai de l'argent. Voilà, cassez-vous. Fichez-moi tranquille. Ah, le chien. Hop. On déforeste. Parce qu'on est un désastre écologique. C'est bien, on a plein d'archers. Alors vous avez vu, tout à l'heure, on avait l'hôtel là, avec des builders. Et je l'ai payé. Maintenant les murs ils brillent de mille feux. Hop, comme ça on va avoir le banquier. Parce que du coup ils sont plus solides. Tant qu'ils sont pas détruits, ils garderont. Bravo, Varenne! Tant qu'ils sont pas détruits, du coup ils vont briller et être plus solides. Ce qui est quand même vachement pratique. Mes murs sont fabulous. Et j'ai à peu près 15 tonnes d'archers. Et c'est plutôt pratique. Bon, j'ai pas fait un truc très très malin parce que les builders ils mettent du temps à traverser la map. Donc c'est un coup à ce que ils arrivent pas à temps pour construire mon mur. Ah oui, l'effet du brouillard est vraiment magnifique.
Et encore, vous n'avez pas tout vu parce que pour l'instant, on n'est pas resté suffisamment longtemps sur les îles. Mais les saisons changent. Va falloir que je fasse la boulangerie parce que c'est plus pratique quand même pour recruter. Ok. Oui, tout. En fait, je trouve que ce jeu est super bien fait au niveau graphique, parce que t'as l'eau, le reflet de l'eau qui est super beau, qui est super bien géré. Et t'as plein de couches en fait de profondeur qui font que le jeu, même s'il n'y a pas beaucoup de pixels pour le décrire, a un cachet particulièrement intéressant. Bon, va falloir qu'on fasse des chevaliers, du coup, je suppose. Pauvre lapin. En fait, ils reviennent pas forcément chaque nuit parce que je leur donne des pièces. Ils viennent chaque nuit même si je leur en donne pas. C'est juste que si je leur en donne, ben, je peux faire autre chose de ma nuit qu'attendre qu'ils soient passés. On n'a qu'un seul bobule. Non, il y en a deux. Va falloir aller avancer plus vite les cocos. Pourquoi est-ce que tu fais l'octopus, Varenne? Comme ça, on aura suffisamment de builders. Ça sera peut-être plus simple pour eux. T'as le bras long. Quel rapport? Que se passe-t-il? C'est toi qui te demandais à un moment si tu devais donner aux gens de l'argent et tout ça. Et combien? Eh ben, ils vont plus chercher les lapins. Oh là, barrons-nous. Non, le chien.
Pew. Pew dans le sens Pew. Ça sera plus simple de défendre. 4 pépins. Et on va faire la tourelle pour faire une boulangerie. Pour attirer plus de potes. C'est sympa, monsieur le banquier. Je vous avais rien demandé, mais bon. Mettons. Oh là là. Les builders qui se barrent. Ah, c'est ta réponse à ma question. Ok. Eh bien écoute, je ne sais que te dire. Pas assez d'archers, je pense. Non, je me tape encore un bug. Hendrix, il y a Varenne qui se moque de toi. Tu peux venir lui jeter un regard de jugement si tu veux. Il te jette un regard de jugement, mais à distance, par la pensée. Oh, plein d'argent. Ok, d'accord. J'ai pas vu, j'avais déjà plein d'argent sur moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah on va construire la tourelle. Voilà ce qu'on va faire. Varenne contre Carr en engageant sa chaise de bureau. Ça marche pas le Camoulox par écrit. Voilà. Et là, pouf. Une boulangerie, ça sera quand même plus facile. Là, on va faire un mur plus solide aussi. Quand ils auront fini. Et de l'autre côté, pareil. On va aussi faire plein de builders parce qu'on va avoir besoin de catapultes des deux côtés, ça sera plus simple pour défendre. Merci mes braves, c'est fort aimable. Et ici on va faire une tourelle. Parce que pareil, pour défendre ça sera pratique. Ah là là. La boulangerie doit être finie. Donc, si je mets du pain dedans, on va attirer les petits potes, ce sera plus simple. Je pense qu'il est un peu fatigué. Je sais pas pourquoi, mais là, aujourd'hui, à la maison, il y a tout le monde qui est fatigué. Slag, ce matin, il était motivé pour aller courir après avoir emmené Lastico à l'école. Et ça a donné emmener Lastico à l'école, revenir et se remettre à ronfler.
Oh, parfait. C'est exactement le nouvel ermite qu'on a débloqué sur l'île d'avant, et c'est celui-ci que je voulais vous montrer. Alors le boulanger, il sert à construire la boulangerie. Sans lui, tu peux pas améliorer une tourelle niveau 3 pour en faire une boulangerie. Et la boulangerie, quand on met du pain dedans, ça attire les petits péons. Et quand tu donnes une pièce aux petits péons, ils sont recrutables. Enfin, ils sont recrutés et du coup, on peut leur assigner un métier. Du coup, en fait, quand t'as la boulangerie, ça attire tous les petits potes de l'île, même ceux qui sont super loin. Ce qui fait que recruter devient beaucoup plus facile. Et celui-là, du coup, d'ermite, il permet aussi d'améliorer une tourelle comme tous les ermites. Tous les ermites fonctionnent de cette manière. Et celui-là, je vais vous montrer à quoi il sert. Vous allez voir, c'est très très pété. Bah, pas tant que ça, en fait. Hein. On n'a pas... Pourquoi qu'il y a tant d'archers de ce côté-là et personne de l'autre? Bon. Abattez-moi ces arbres, ça fera plus de terrain de chasse. Plus de terrain de chasse égale plus de lapins est égal plus de revenus. Ah bah d'accord, ça abandonne les constructions. Bravo messieurs. Abattez-moi ces arbres que je puisse construire un parking. Bah, c'est un peu l'idée, tu vois. C'est genre, allez, on détruit toute la forêt de l'île. Parce que de toute façon, on va se barrer à la fin. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'on a sauvé notre couronne. Voilà. Et du coup, on va faire une tour niveau 3 et juste après, on va pouvoir voir ce que ça donne, ce petit bonhomme. Mais ce jeu, c'est le capitalisme. C'est tu recrutes des gens qui étaient pauvres, hein, mais qui vont du coup passer leur vie à s'angoisser pour une société dans laquelle ils vivent. Et ils finissent de toute façon par être abandonnés par leur chef. Quand ça sent trop mauvais. Qui se barre avec tout le pognon. Et quelques élus seulement, tu vois. Pas tout le monde. Allez. Voilà, donc tu vois là. L'ermite est descendu de mon dos. Et grâce à ça, la tourelle est améliorable. On va attendre qu'elle soit construite. Ça, vous allez voir, c'est rigolo. Boum. Voilà. Alors c'est pas un trébuchet, mais on n'est pas loin. On est vraiment pas loin de l'idée. Voilà, tu vois là, il y a des petits potes qui sont venus. Non mais. Il y en a un autre là. Et alors, du coup, c'est plutôt une espèce d'immense arbalète. Tu vois? Ouais, baliste peut-être. Je sais plus à quoi sert une baliste. Du coup, on va attendre d'avoir recruté suffisamment de builders. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas assez. Abattez-moi ça. Voilà, et on est presque au portail, du coup. Allez. Oh là là.
plein d'argent. Vous me ramènerez ceci plus tard, messieurs. Banquier. Voilà, ah, un petit pote. Deux petits potes. Du coup, on va peut-être le voir à l'œuvre cette nuit, ça va être rigolo. Dans l'Inde, ça marche pas comme ça, Varenne. Dans le sud, ça marche comme ça. Quand il pleut et quand il neige, effectivement, les gens vont pas bosser, parce que c'est une bonne excuse. Dans l'Inde... Et dans la région Rhône-Alpes, si tu fais ça, Rhône-Alpes-Auvergne, les gens ils se moquent de toi. En gros, il faut savoir conduire sur la neige. Hein. Et tu peux pas bosser de chez toi? Parce que c'est quand même plus le confort de bosser de chez soi. Voilà. Mais Builder, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Reviens. Oui, voilà, c'est ça. Cours. Ah, donc en fait, une flèche comme ça lancée par une baliste, hein, elle en embroche 6 d'affilée sans problème. Bah, bosser de chez moi le... Comment ça? Pourquoi ça serait intéressant de bosser de chez toi un jour où je stream pas? Je crois que les gars sont relous et ils s'arrêtent avant la maison de l'ermite. Ok, c'est un autre boulanger. Tu rentreras tout seul, mon gars. D'accord, c'est ironique, ok. Vous allez améliorer le mur, s'il vous plaît. C'est le lapin Matrix. Ah, j'ai pas quand même touché. Sur celle-là, deal, je sais pas. Hein. Pour l'instant, je suis arrivé jusqu'où? Attends, je vais regarder. Pour l'instant, je suis arrivée au-delà du jour 60, mais pas plus.
Mince. Flûte. Ben, cher builder, va falloir vous bouger. Ça tiendra jamais une nuit. Ils ont tué un lapin par accident. Les gars, la tourelle. La tourelle. Focus un peu. Bon, et là, du coup, je vais aller chercher notre ermite qui nous sert à améliorer la tourelle. Voilà. Bah ouais, mais pour l'instant, je peux pas parce que c'est au-delà de 25 000 portails. Et du coup, pour l'atteindre, il faut d'abord casser les portails, idéalement. Alors là, je fais beaucoup de builders, du coup, vu qu'on les utilise dans les tourelles. Hop. Banquier, un peu de pognon, je vous prie. Merci. Mince! Ah tiens! Le boulanger est assis dans l'air. Un peu de pognon, je vous prie. Merci. Et ouais, tant qu'il n'a pas été mangé par un monstre, l'ermite, il reste là. Pas de soucis, Chiro, pas de soucis. Bon courage pour cet après-midi. Et merci d'être passé. Ben, écoute, bonne chance et bon courage, Varenne.
ah, c'est bien de faire ça. Du coup, l'ermite, il bouge plus, quoi. On l'a assis quelque part et... Non. Je lui transmettrai. À plus tard, Varenne. Je pense qu'on va envoyer nos potes casser un portail. Pour l'instant, ça nous arrange pas tant que ça, quoi. Il faudrait qu'on continue d'approcher les murs. Est-ce qu'on a un autre mur qui traîne? Un petit truc. Oui, parfait. On en a même deux. De l'argent, de l'argent. Ça, c'est quelqu'un qui rentre d'avoir couru dehors. Et là, du coup, on va pouvoir faire un truc pour pouvoir avoir du pognon. Maintenant qu'on a cette ferme qui est protégée, on va pouvoir la fabriquer. Parce que les archers, là, ils derpent un peu, donc récupérer de l'argent, c'est aléatoire. Tu casses tout, tu rentres et tu casses tout. Parfait, de l'argent, ça me va très bien. Ah, oh, j'avais pas vu, il y a une ferme ici aussi. Ah ouais, on peut pas la construire, elle est à côté du camp. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire, moi? Ah oui, faire des fermiers. Des fermiers, des fermiers. Et de l'autre côté, voir si les archers ont récupéré de l'or. Un peu.
Et on va déforester. Parce qu'on aime bien déforester. Ah mais non, c'est vrai, il y a le portail tout de suite, on peut pas plus déforester. Bec. C'est un bec. Voilà, ça va très bien, ça ira très bien. Est-ce qu'on a une catapulte? Je crois qu'on a une catapulte sur le côté gauche. Oui. On va faire une catapulte sur le côté droit. Je crois qu'il nous faut 6, c'est ça. Merci, il m'en manque encore une. Parfait. J'ai assez, je crois qu'il me manque un comme d'hab, voilà. Oh là là, c'est une ferme, il peut y avoir qu'un seul fermier dedans parce que j'ai un mur de l'autre côté. Oh, et que j'ai le... Et j'ai l'ermite, eh ben, c'est pas un pop super top. Hein. Bon, on va attaquer le portail. Ça sera fait. Ça en fera déjà un de moins. Profiter pour demander à nos potes builders de venir casser les arbres à côté du portail. C'est pas mal, ils sont pas trop loin. Bon, les archers visent n'importe comment, donc ça va être compliqué, mais... Ça devrait le faire. Ça va juste mettre 3 plombes.
Allez, vous y êtes presque, les gars. Allez, hop. Bravo. Deuxième portail. Est-ce qu'il est loin? Carrément loin. Allez, Builder, il va falloir se bouger. Hein. Barrez-vous maintenant, hein? On rentre. Ah, début de la journée. Cool. Finalement, barrez-vous pas, on a encore besoin de vous. Ah, non, d'accord. Ok. C'était pas tant la journée que ça, c'était en fait le coucher de la nuit. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de construire le truc et de se sauver? Très très peu probable. Très très peu probable. Oula. Ok, cool. Ils ont eu peur du soleil. Ils se sont sauvés tout de suite. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, ben, les builders, vous allez revenir parce qu'on a besoin de vous pour déforester. On a même besoin de vous. Lico presto. Oh, mur ici, un mur ici, parfait. On perd tout le terrain de chasse, mais tant pis, c'est pas grave. On a besoin de d'être plus proche. Des portails pour éviter d'avoir des très très longs trajets au niveau de nos chevaliers. Pas encore assez. Ah, là ça est bien. Impec.
Bien. Bien, même. Voilà, on va refermer une ferme pour essayer d'avoir des revenus quand même. On va améliorer ce mur comme ça, même s'il est cassé. Enfin, si ça commence à pousser suffisamment au travers du royaume, on s'en sortira quand même. Parfait. Et ouais, ils courent vite, hein. Les archers, ils se baladent super vite. Et les monstres, ils sautent en plus. Ils sautent dessus. Ok. Zut. Mettre des chevaliers à gauche parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ils coordonnent plus facilement les armées. Comme maintenant on commence à avoir une source de revenus qui ne provient pas des archers, c'est pas grave si on en a qui sont recrutés par les chevaliers. Bon courage pour cet après-midi. Merci d'être passé. Faut que je recrute plus de fermiers. On va aller chercher l'autre ingénieur pour faire une tourelle ici de qui balance des grandes flèches. On n'a jamais assez.
l'épée, voilà. Je vais lancer un assaut. Allez, allez, on se bouge. On se bouge, les builders. Voilà. Parfait. On va aussi légèrement déforester sur la route. Voilà, mais pas trop. Parce qu'on a le campement derrière. Ça a l'air bien compliqué tout ça, hein. Parfait. Mais... Et ils lui ont pas tiré dessus, quoi. Super. On a débloqué l'hôtel là qui traîne. Pour faire des murs plus efficaces. Ça nous arrange énormément. Parce que plus on détruit de portails, plus les mobs qui pop sont agressifs, violents et dangereux. Très bien. Ah oui, cette ferme n'était toujours pas améliorée niveau 2. En fait, les personnes qui me donnent des pièces, c'est pas forcément parce qu'elles les gagnent, c'est parce que comme elles font beaucoup d'allers-retours dans le royaume, mais qu'au milieu, il y a les fermiers qui sèment des pièces, et ils ramassent ce qui traîne par terre, et ils les amènent du côté où ils vont. Non. Ah là là. Plein d'argent.
Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce que... Je crois qu'il y a des chevaliers de ce côté-là, c'est ça. Un peu de PV, je vous prie. Voilà, vous laissez des pièces d'or derrière. Ces gens qui gaspillent. C'est bon. Nos archers sont full PV. Parfait. Non. Pas pour toi. Pour toi. Pour toi. Hop, voilà. Et une petite lune rouge. Bon là, le problème c'est que le mur il est un peu grand et du coup les archers, voilà, la tourelle elle tire des flèches dans le mur plutôt que sur les ennemis. Mince! Bon bah voilà, mon portail ne sert plus à rien, j'ai deux portails juste l'un derrière l'autre. J'ai d'RP. C'est tout nul ce que j'ai fait, c'est vraiment tout nul. Ah là là, j'aurais dû le construire depuis longtemps ce mur. Flûte, flûte, flûte. Ce portail. Tant pis. Chercher de l'autre côté peut-être quelque chose pour moi. Est-ce que
Les mobs que j'ai envoyés tout à droite ont survécu. J'en ai pas besoin, Manky, j'en ai pas besoin. Ils ont réussi. Regardez de l'or quand même. Et du coup, je crois qu'à droite, il n'y a plus de portail. Je vais vérifier. Je pense qu'on est bon. Et ça descend le boulanger. T'as tendu à casser les pieds. Tiens, viens à toi. Pipapou. Et je crois qu'on a le ponton juste après. Parfait. On va déforester en masse, comme ça le bateau va pouvoir partir vite. Merci banquier, mais c'était pas nécessaire. Hop, un verre d'eau. Bon, il n'aura pas tout encaissé.
cette pièce. Cette pièce a été décidée à ne pas tenir dans mon porte-monnaie. Voilà, parfait. On construit le bateau pour pouvoir se barrer en urgence si on a besoin. On va demander de l'argent au banquier, bien sûr, parce que c'est quand même plus pratique. Ok. Tenez, attaquez donc le premier portail qui est juste à côté. Ça nous arrangera. Faire des builders. Ce sera quand même plus pratique. Banquier. Manqué. Ah super, on a cassé le petit portail. On va commencer à essayer d'avoir plus accès à la statue des archers. Je vais voir si on arrive à tenir sur cette île ou pas. Allez. Maintenant les amis, on se bouge. Hein. Est-ce que les chevaliers ont pris des baffes? Que dalle. Impec. Est-ce qu'on aura construit le mur avant que les petits bonhommes arrivent? On espère. On espère. Parfait. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de l'améliorer. Voilà, c'est comme ça qu'il se met à briller. Parfait. Le bateau part, donc du coup on est tranquille à ce niveau-là. Au pire, on pourra sauver l'île. Sauf si on fait une ânerie. Ils sont là. Ils sont là, les petits mobs. Alors du coup, on a moins de puissance de feu que quand on était à le mur d'avant. Hein, puisqu'il nous manque une tourelle. Ça va probablement être très compliqué de survivre. On va voir. Il
Et après ça, donc, du coup, ça sera à la semaine prochaine pour la suite. Ouais, je finis le combat et puis on peut manger si tu veux. Donc là, on a eu de la chance. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'on avait des murs qui étaient améliorés. Et du coup, ils ont tenu. Voilà. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder là. Voilà. Et du coup, pour la suite, on se retrouvera la semaine prochaine. Voilà. Du coup, merci à toutes les personnes qui sont passées. Même si c'était que pour dire coucou et pas parler dans le chat, ça me va très très bien. Je stream pour vous, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Du coup, la semaine prochaine, on continue sur ça. La semaine prochaine, on continue avec du Kingdom. Et puis, sinon, on se retrouve vendredi soir. Et vendredi soir, je fais du... The Last Door. Pareil, un jeu en pixel art que j'ai commencé, qui est un peu flippant. Donc, n'hésitez pas à passer, pareil, pour faire coucou. Et ça fait toujours plaisir de voir des gens qui passent. Et merci encore d'être venu.